Bonjour les amis, Alexandre ici. Donc voilà, je viens faire une petite vidéo sur l'exercice qu'on a eu récemment, sur le petit tirage que j'ai eu pour ma cliente. Et comme je vous dis, je trouvais que c'était une bonne façon de voir les cartes, d'apprendre les cartes. Donc je vais vous révéler maintenant ce qui s'est passé. Donc voilà. Alors, elle était venue me voir pour son fils. Et les cartes ont montré qu'il y a eu une violence, comme vous pouvez le voir avec la verge, envers une tierce personne. Parce que le chien, c'est la carte d'une tierce personne dans mon système du Petit Lenormand. D'accord? Et c'est pour ça qu'elle finit la ligne, parce que c'est elle la victime, c'est elle qui a été affligée par tout ce qui est là. D'accord? Il y a eu des affaires de justice. Le jeune homme est parti en prison parce qu'il a été brutal, il a été agressif envers un policier. Comment on sait que c'est un policier? La combinaison du chien et de la tour. La tour représente la justice, représente les affaires de justice. Et la tour et l'ancre, pardon, est symbole d'enfermement, d'emprisonnement aussi. Avec le cercueil. Il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu de mortalité, mais il y a eu une brutalité envers un officier de police et cela l'a conduit à faire 6 mois de prison. Donc, c'est ce que les cartes ont clairement révélé et beaucoup d'entre vous ont aussi trouvé la réponse. Et pour ceux qui se sont un peu éloignés de la réponse, cette vidéo n'est pas là pour vous juger ni pour dire que vous êtes nul. C'est vraiment pour vous donner une opportunité de voir les choses d'un nouvel œil, d'un angle différent, de ce que vous avez pu manquer pour améliorer et progresser vos talents dans le petit Lenormand. D'accord? Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous retrouverai sur une prochaine vidéo.